Bonjour tout le monde, bon vendredi, bienvenue au webinaire numéro 10. Le thème aujourd'hui sera rétroagir avec Google Classroom. Donc, on va travailler, oui, dans l'environnement numérique d'apprentissage Google Classroom, mais on va se concentrer spécifiquement sur la rétroaction aujourd'hui. Donc, tout d'abord, comme à chaque webinaire, je vous présente les ressources du webinaire aujourd'hui. Donc, vous aurez accès à la présentation d'aujourd'hui ainsi que toutes les ressources qui seront présentées et la rediffusion en fait du webinaire seront présents sur le site. Donc, vous pouvez numériser le code QR, bien sûr. Donc, je fais le tour ici, rétroagir avec Google Classroom. Vous avez la rediffusion qui se représente ici, vous avez le diaporama de la présentation aujourd'hui et vous avez les ressources dont je vous parlerai là, au courant de la présente du webinaire. Et vous avez ici, en cliquant ici, vous pouvez obtenir votre badge pour votre participation, en fait, pour la découverte de la rétroaction avec Google Classroom. Donc, tout ça est présent sur le lien que vous voyez ici. Donc, monurl.ca web 10. Donc, les intentions du webinaire aujourd'hui, évidemment, on va parler de rétroaction. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter, là, évidemment, je fais un survol de chacune des façons de fournir de la rétroaction à vos élèves parce que je pourrais passer 30 minutes sur chacune de ces façons-là, mais on va faire un bref survol de chacune des fonctions aujourd'hui. Donc, tout d'abord, comment fournir une rétroaction à l'aide des grilles d'évaluation, donc qui peuvent devenir en fait des grilles d'auto-évaluation et des grilles d'observation. Donc, ensuite, comment fournir une rétroaction de manière écrite, audio et vidéo. Donc, c'est chacune d'une façon différente, là, évidemment, qu'on va survoler aujourd'hui. Ensuite, comment fournir une rétroaction sur un document PDF ou encore une photo. Donc, ça peut être un élève ici qui prend une photo d'un travail qu'il a réalisé crayon papier, qu'il le soumet dans l'environnement numérique d'apprentissage Google Classroom et que l'enseignant peut venir apporter la rétroaction par la suite sur la photo. Donc, je vous montre tout ça. Et ensuite, le dernier élément est comment fournir une rétroaction automatisée ou manuelle avec l'outil Google Forms. Donc, évidemment, tout ça intégré à Google Classroom. Donc, la rétroaction avec l'environnement numérique Google Classroom vient de travailler en fait plusieurs dimensions de la compétence numérique, mais plus spécifiquement, évidemment, ça développe vos habiletés technologiques, ceux des élèves aussi. Mais aujourd'hui, on parle de vous et ça développe la dimension exploiter le potentiel du numérique pour l'apprentissage. Je tiens tout d'abord à préciser, là, avant d'aller plus loin dans la présentation, que je me suis beaucoup inspirée de la présentation de mes collègues du récit FGA et de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches là, pour faire cette présentation-là. Donc, leur présentation au congrès de l'ITA le 25 mars dernier est arrivée à point pour préparer ce webinaire-ci. Donc, vous avez là, le lien, évidemment, je les mentionne en début de webinaire pour être certain que le crédit leur reviendra et vous allez voir, je vais vous présenter là, leurs ressources à la fin du webinaire. Donc, on commence tout d'abord avec fournir une rétroaction à l'aide de grilles d'évaluation. Donc, les contextes d'utilisation des grilles d'évaluation, bien évidemment, on peut le joindre à tout devoir pour permettre aux élèves d'abord leur compréhension des compétences. Donc, c'est important ici de venir travailler à ce que les compétences, donc l'échelle aussi de chacun des critères d'évaluation soit vulgarisée pour les élèves, s'assurer de la voir, évidemment, au début, avant même que l'élève amorce le travail. C'est important de leur présenter, qui ait accès et surtout la comprenne pour pouvoir répondre évidemment aux différentes attentes de l'enseignant. Et puis, en bout de ligne, tout au long du travail, l'élève peut s'en servir évidemment comme auto-évaluation là, pour venir travailler sa métacognition, donc se situer par rapport aux différents critères d'évaluation qui seront présentés à l'élève. Donc, comment rétroagir à l'aide de grilles d'évaluation et de commentaires? Donc, on le précise ici, évidemment, là, ces infographies-là viennent justement de la présentation là, que je vous ai parlé du congrès ITA. Donc, je les ai réutilisées sans mettre la source en bas. Je vais y remédier, évidemment. Mais vous voyez là, ici que c'est important de fournir la grille d'évaluation avant la tâche,
puis de cibler les éléments prépondérants, de mettre en évidence quand on corrige, quand on fait la révision du travail, les éléments à améliorer, suggérer l'auto-évaluation des élèves avant même de rendre le travail à l'enseignant, préciser clairement les compétences à atteindre. Donc, ici, là, pour expliquer la grille d'évaluation, je vais vous montrer là, comment vous pourriez utiliser l'audio ou la vidéo. Donc, pour survoler la grille d'évaluation, je ne le montrerai pas spécifiquement, mais à travers les outils que je vous présente aujourd'hui, vous allez voir comment vous pourrez présenter la grille d'évaluation et donner des exemples concrets pour comprendre aussi la grille de correction aux élèves. Puis, c'est évidemment dans un modèle plus des pratiques inclusives, on essaie de présenter des modèles à nos élèves. Donc, je me rends sans plus tarder dans mon Google Classroom où j'ai déjà développé là, une section pour aujourd'hui. Donc, ici, j'ai créé un devoir, là, j'ai déjà ajouté une grille d'évaluation qui est là. Donc, comment ça s'affiche une grille d'évaluation? Donc, vous voyez, là, c'est celle que j'ai créée. On voit qu'il n'y a pas de critères d'évaluation. J'ai mis seulement des titres avec une échelle. Donc, vous pouvez venir ici, là, vous voyez qu'il y a des points. On peut aussi désactiver ce mode-là là, pour éviter qu'il n'y ait pas de points qui soient associés à l'échelle. Parce qu'évidemment, si on veut que nos élèves tiennent compte de notre rétroaction et non de la note, c'est peut-être une façon là, de faire que de venir désactiver la note par la suite. Donc, l'enseignant peut quand même avoir des notes là, reliées à ça, mais si on veut que l'élève porte attention à notre rétroaction, on peut venir le désactiver. Donc, je vous montre comment faire. On va venir enlever celle que j'avais placée et comment on en crée une. D'abord, là, j'ai déjà évalué un élève ici. Je ne pourrais pas venir la désactiver, donc je vais me rendre dans un autre devoir pour pouvoir faire la démonstration. Je vais venir dans celle-ci. J'avais déjà évalué un élève, donc je vais l'enlever. Et voilà. Donc, quand on crée un devoir, donc vous voyez ici, là, j'avais placé, je vais vous montrer, je vais effacer ça. Et voilà. Donc, on crée d'abord une grille d'évaluation. J'y reviens là, tantôt, là, pourquoi je l'ai effacé, je vais vous le présenter tantôt. Donc, ici, c'est ici. Utiliser le système de notation, là, on peut venir le désactiver. Donc, à ce moment-là, là, ça l'enlève le système de pointage à l'échelle qu'on va placer. Donc, ici, c'est évidemment, vous venez placer les critères d'évaluation qui sont liés là, à chacune, à une compétence précise. Donc, vous prenez le critère d'évaluation. Là, je vais juste écrire exactement ce qui est écrit. Là, je vais retranscrire pour le bien de l'activité. Donc, titre du critère, ici, on décrit. Description du critère d'évaluation pour que l'élève puisse comprendre, bien comprendre. Évidemment, vous pouvez partir là, d'une grille qui existe déjà, que vous avez déjà, une grille d'évaluation en format PDF. Là, vous l'ouvrez dans un autre onglet, vous faites tout simplement copier-coller ici, là. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une boîte comme ça pour chaque critère. Donc, ça, c'est le critère numéro 1. Et là, après ça, ici, on a le plus, là, c'est pour mon échelle. Donc, là, vous pouvez, j'en mets une au hasard, là, pas au hasard, mais celle qui me vient en tête rapidement, donc très satisfaisant. Puis là, ici, vous pouvez venir décrire qu'est-ce qui correspond à, ça peut être dépasse les attentes également, là, vous verrez l'échelle, s'assurer que les élèves comprennent bien l'échelle que vous placez également. Donc, répond aux attentes. Etc. Puis là, vous voyez que tu sais, dans les grilles d'évaluation, il y a toujours par rapport à l'échelle, on vient situer qu'est-ce que l'élève est capable de faire là, en fonction du critère. Donc, ce sera à vous de venir le développer dans la description ici. Et là, vous pouvez y aller au fur et à mesure, tu sais, ajouter autant de cases qu'il y a dans votre échelle ici. Ensuite, si vous voulez ajouter un deuxième critère, bon, moi, je vais juste retranscrire description du critère. Et là, encore là, vous pouvez venir mettre votre échelle. Je pense qu'il y a façon de dupliquer, puis d'avoir dupliqué le critère. Puis à ce moment-là, vous avez déjà votre échelle de fait, là. Donc, c'est pour ça que c'est important de dupliquer, parce que vous n'aurez pas à toujours placer votre échelle, là, retranscrire votre échelle. Donc, il y a cette possibilité-là. Puis là, vous avez toujours les trois petits points, là, si vous voulez supprimer ce niveau-là.
Donc, moi, je vais tout simplement supprimer ce critère-là, puis je vais le dupliquer. Puis là, vous voyez, on peut maintenant le nommer titre du critère 2, on vient le changer. Mais par contre, j'ai déjà mon échelle, puis il me reste simplement à venir changer ma description. Une fois que c'est fait, on clique sur « Enregistrer » et j'ai ma grille d'évaluation qui se place dans le travail de l'élève. Comme je l'ai précisé, c'est important que l'élève ait la grille d'évaluation avant de se mettre au travail, donc pour savoir qu'est-ce qui est attendu de lui. Donc, c'est certain qu'il peut répondre davantage aux attentes quand il sait c'est quoi les attentes. Donc, ici, ce que je vous disais dans les instructions, vous pouvez dire « prendre connaissance » de la grille d'évaluation avant même de se mettre au travail, avant de lire les consignes. Lire les consignes. Mais ce que je voulais vous présenter ici, là, si je mets un commentaire écrit, je n'aurai pas cette fonction-là. Mais tout à l'heure, je vais vous parler d'une extension qui s'appelle Mote. Donc, Mote ici, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez parler aux élèves. Donc, Mote est de 30 secondes. Là, vous avez un enregistrement de 30 secondes. Je vais l'activer tout à l'heure, là. Mais vous avez tout à l'heure aussi, je vais vous parler de Talk and Comment que vous pourriez utiliser pour donner des consignes à l'audio à l'élève et expliquer ce qui est attendu d'eux. Vous pourriez faire une vidéo également à partir des outils que je vais vous présenter plus tard tout à l'heure et mettre le lien ici, là. Donc vous avez des liens. Donc, vous pouvez venir placer le lien ici là, pour que l'élève ait accès. Donc je vais faire la démonstration. Donc, aujourd'hui, chers élèves, je m'attends de vous que vous regardiez d'abord la grille d'évaluation, que vous preniez connaissance des grilles d'évaluation. Également, vous allez trouver dans les consignes un modèle du travail qui est attendu et vous pourrez laisser évidemment cours à votre créativité pour répondre aux différents critères d'évaluation. Donc, ici, ça me crée un lien que je vais pouvoir copier et le placer, m'en servir soit dans les instructions ici directement, ou encore je viens déposer un lien. Mon lien va se placer ici. Donc, ça, ça prend le nom, c'est pas super, là, fait que peut-être que vous pourriez utiliser celui-là. Et je vais l'effacer pour que vous voyez, là, ça me fait un petit fichier audio comme ça. Donc, aujourd'hui, chers élèves, je m'attends de vous que vous regardiez d'abord la grille d'évaluation. On peut utiliser ça, puis je vais vous montrer, Maud, la différence. Là. Donc, je l'utilise pour donner mes consignes à l'audio. Et lui aussi, il s'intègre un peu comme on voit ici. Là. Donc, une fois qu'il est là, tu vois, vous voyez, ça me fait un lien comme ça. Mais quand je vais l'enregistrer, c'est là qu'il va s'intégrer lui aussi. Donc, j'enregistre mes consignes. Et vous voyez, quand l'élève le regarde, donc je l'utilise pour donner mes consignes, il peut l'activer comme ça, puis donc aujourd'hui, chers élèves, je m'attends. Donc ça, c'est les deux outils, donc Mote et Talk and Comment. On va le revoir tout à l'heure un peu plus loin là, pour parler de les rétroactions audio. Alors, je m'attarde au gré d'évaluation, donc j'en ai créé une de toutes sortes que j'ai copié-collée directement dans Classroom. Il y a d'autres options. Une fois que vous en avez déjà créé une sur une compétence, peut-être que vous allez vouloir la réutiliser, mais apporter juste quelques modifications. Donc, il y a possibilité ou réutiliser une grille d'évaluation là, qui aurait été faite par, mais pas par des collègues, là, ça va être ici. Donc, réutiliser une grille d'évaluation et vous voyez, si vous avez des environnements d'apprentissage en commun avec des enseignants, puis que vous créez vos grilles d'évaluation là-dedans, mais en fait, vous pouvez vous les partager. Là. Donc, par exemple, si vous avez collègues de sixième année, un classroom, puis que là, à plusieurs, à trois, quatre enseignantes, vous venez développer des grilles d'évaluation sur chacune des compétences, bien, vous pourriez aller les chercher à partir de... Donc, je change de cours, puis je viens chercher mes grilles d'évaluation que je peux réutiliser dans mon environnement numérique d'apprentissage avec mes élèves. Donc, là, ici, j'en ai deux dans mon propre cours, là, mais ça, comme je vous dis, vous pouvez créer un environnement d'apprentissage entre collègues, puis créer à plusieurs plutôt que de tout refaire seul. Donc, ici, j'avais deux grilles d'évaluation que j'avais déjà fait. Donc, je fais simplement le réutiliser, puis je peux évidemment venir, en cliquant sur les petits points, modifier.
Donc, on peut l'affichage en ordre croissant, décroissant. Donc, vous voyez ici, j'avais activé le système de notation. Là, j'avais attribué des points à chacune de l'échelle là, où l'élève se situe. Donc, en fonction de ce que je choisis pour situer mon élève, ça va donner des points. Donc, c'est ce que je n'avais pas activé tout à l'heure. Et ce que je veux vous montrer en dernier, c'est la possibilité. Donc ici, là, par exemple, si j'ai déjà une grille d'évaluation, on peut l'exporter. Ça peut être une autre façon, en fait, de partager vos grilles à des collègues. Vous pouvez l'exporter, cette grille-là, en Sheets. Donc, elle va aller se déposer automatiquement dans Sheets. Donc, vous voyez ma grille que j'avais créée, elle est ici. Donc, ça, là, vous pourriez vous en servir pour créer, une fois que le modèle est là, puis que vous l'avez exporté. Vous pouvez vous faire plusieurs onglets ici là, pour. En fait, vous pouvez créer une copie de ce document-là, puis repartir toujours de celui-là, puis venir simplement changer. Ça peut être votre modèle. Vous en créez, quand vous voulez en créer un nouveau, vous faites créer une copie. C'est plus facile pour vous de travailler directement dans Sheets. Donc là, vous voyez, je l'ai pas, je vais le modifier. Là, je vais juste mettre. Communiquer, là. Donc, je sais que ce n'est pas un critère d'évaluation, il faut être beaucoup plus clair que ça, mais donc là, j'ai juste changé le communiqué et je peux, donc là, je ne vais pas vous perdre, mais je vais enlever cette grille-là. Puis ce que je peux faire quand je crée des modèles là, dans Sheets, puis que c'est là que je les modifie, je peux, à partir de grille d'évaluation, importer à partir de Sheets, là, évidemment, mon modèle va se placer ici, là, le premier, mais vous avez la fonction de recherche. Il se place le premier parce que je viens tout juste de le faire et je fais ajouter. Puis, tada, il me crée une grille d'évaluation à partir de mon modèle dans Sheets. Donc, ça peut être une façon aussi, là, parce que si vous le partagez entre collègues, si une collègue a développé une grille dans Classroom, elle peut vous le partager en l'exportant comme ça aussi, sans que vous ayez à vous créer un Classroom en commun. Donc voilà, ma grille s'est placée ici. Et voilà, c'est la façon de faire là, pour les grilles d'évaluation. Puis maintenant, comment on évalue à partir d'une grille d'évaluation? Je vais venir dans le travail d'un élève ici. Donc, je vais faire afficher le devoir et je vais venir voir ce que Corinne a fait ici. Et là, par la suite, là, vous voyez, je l'ai déjà évalué. Mais je vais faire effacer ici pour que j'efface ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, c'est mis. Je vais repartir. Effacer. Je vais tout effacer, là, mon évaluation. Donc ça peut être la même chose aussi. Si un élève vous a remis une nouvelle version de son travail, là, vous pouvez repartir à zéro pour l'évaluer. Donc, je veux ici afficher là, chacun des critères. Donc, normalement, ce n'est pas écrit titre du critère. Là. Vous avez votre critère d'évaluation qui s'affiche là et vous pouvez venir situer votre élève par rapport au travail. Donc, vous pouvez les dévoiler comme ça et vous venez l'évaluer. Donc, là, ici, il y avait des points d'attribuer. Donc, vous voyez qu'en haut, il s'est placé une note sur 100. Donc, par rapport aux critères que j'avais placés. Donc, il l'a converti parce que moi, ma grille d'évaluation allait jusqu'à 80. Donc, vous pourriez changer le nombre total de points. Là, ça peut être 80 aussi, tout simplement. Donc, ici, là, c'est 45 sur 80. Ça ne fonctionne pas vraiment. Il n'a pas fait la conversion une fois que. Mais bon, vous pouvez changer le nombre total de points qui sont ici. Donc voilà, on a fait la correction à partir, puis l'élève, ce qu'il voit de son côté, c'est important. Je vais vous présenter ici l'élève. Quand il va faire afficher le devoir, il va voir sa grille d'évaluation comme ça. Donc ça, c'est la vue de l'élève. Et vous voyez ici, là, il y avait aussi, on avait placé notre commentaire audio qui est là. Donc ça, et après, qu'est-ce qu'on avait fait? Je vais retourner ici dans mes travaux et devoirs. Puis, donc, ça, c'est ce qu'on avait placé. Je ne l'avais pas réactivé. Je vois ma correction. Je vois le fichier audio qui a été déposé par mon enseignant. Donc, j'ai accès à tout ça.
Et je peux venir voir les explications. Donc, j'ai le fichier encore là, audio, les noter. Donc, voilà ce que l'élève voit de son côté. Si on poursuit, on est rendu. Je vais changer. Je vais aller dans mon compte à moi. Là, ici, c'est important, évidemment, une fois que là, on est en brouillon, vous voyez. Donc, l'élève ne voit pas son résultat tant et aussi longtemps que l'enseignante ne fait pas rendre. Donc, quand il est rendu, donc on voit l'élève avait 45, là maintenant il y a 45%, puis auparavant il avait 65%, on fait rendre et à ce moment-là, la note elle est visible par l'élève. Donc, je vais retourner voir dans le compte de l'élève. Donc là, il devrait avoir accès à sa nouvelle correction. Donc, 36 sur 80. Donc, il y a accès, là, vous voyez, les rétroactions sont là. C'est des rétroactions que j'ai faites à l'oral, donc audio. On va aller voir ça là, à l'instant, comment faire pour faire des commentaires audio. Donc, on va se rendre dans mon compte. On va revenir à la présentation. Donc, c'était pour les grilles d'évaluation. Maintenant, comment fournir une rétroaction à l'écrit, donc aux élèves. Donc, c'est important, là, de, quand vous faites la rétroaction à l'écrit, de commenter des éléments. Par exemple, ça peut être dans un contexte où on a un texte d'élève. Donc, c'est de commenter des éléments précis du texte là, pour engager une conversation avec l'élève. Vous pouvez utiliser le mode suggestion pour soumettre des pistes de réflexion ou des idées aux élèves. Puis, vous pouvez aussi utiliser le mode modification pour mettre en évidence des critères atteints ou non atteints. Puis, je vais vous montrer là aussi comment utiliser la fonction archive des commentaires. Donc, on sera à nouveau dans mon classroom. Je viens dans le devoir. On va se rendre dans le même devoir. Je corrige le travail de mon élève ici. Donc, je vous parlais, là, je ne passerai pas beaucoup de temps, là, mais on a différents modes. C'est quand je vous parlais du mode suggestion, c'est ici là, que vous pouvez venir soumettre des pistes en travaillant directement dans le texte de l'élève, puis en proposant des pistes de réflexion. Donc là, il voit ce qu'on a modifié, puis ça affiche des commentaires ici dans la barre de droite là, sur ce qu'on a modifié dans son texte. On peut changer. Ici, le mode édition, vous pouvez venir modifier directement dans le texte de l'élève. Mais ici, si vous voyez que c'est suggéré en fait pour des élèves qui travaillent avec un iPad parce qu'ils n'ont pas accès, eux, aux commentaires qui sont placés là, dans la barre de droite. Donc, si on veut que les élèves voient notre rétroaction avec un iPad, c'est important de venir travailler directement dans le texte, mais c'est important aussi de venir peut-être choisir des émojis, des émoticônes pour apporter de la rétroaction. Surtout pas essayer d'éviter le rouge dans vos choix de police. Peut-être surligner vos commentaires ici pour les mettre en évidence. Vous pouvez également venir placer de l'audio là, directement, on verra tout à l'heure, mais en le copiant, en collant là, directement dans le texte de l'élève. Et pour ajouter des commentaires, ceux qui travaillent avec un ordinateur, là, pour qu'ils s'affichent dans la barre de droite, vous sélectionnez une partie en particulier. Et là, on vient cliquer sur la petite bulle de commentaires ici. Là, je vais masquer ça ici. Oups! Donc, vous sélectionnez un passage de texte sur lequel vous voulez apporter votre commentaire. Et là, vous voyez, la bulle de commentaire ne s'affiche. Elle s'affiche. Elle n'est pas là. Ah oui, elle est là. Donc, ma bulle de commentaire, elle est ici. Écrire un commentaire. Et l'élève, ce qui est intéressant, c'est que l'élève peut toujours venir lui répondre de son côté. Donc, écrire un commentaire, et voilà. Puis là, ben, on a accès à tout ça. Puis comme je vous disais, c'est seulement les élèves qui ont accès à Google Docs à partir d'un ordinateur là, qui ont accès aux commentaires qui sont dans la barre de droite ici. Donc, voilà, pour commenter dans le texte, donc donnez-vous un code de couleur. Et ce qui est intéressant,
C'est qu'ici, là, vous avez accès à votre grille d'évaluation. Donc, ça, c'est. Puis là, vous pouvez venir placer là, des commentaires ici généraux dans la barre complètement à droite, là, quand. Pouvez le faire à l'écrit, à l'audio, en vidéo aussi, une fois que vous avez révisé le texte. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est les archives de commentaires. Donc, vous pouvez vous faire une banque de commentaires ici, de rétroaction, là, que vous utilisez souvent. Donc, ce qui est facilitant ici, c'est que vous copiez votre commentaire ici, puis vous pourriez tout simplement, en cliquant, là, j'essaie de trouver ma boîte de commentaires. Vous pourriez tout simplement coller le commentaire que vous avez copié. Donc, vous n'avez pas besoin de tout les réécrire. Donc, c'est quelque chose qui peut être facilitant. Là, vous voyez que vous avez même une barre de recherche pour votre banque. Donc, tu sais, il y a des choses qui reviennent souvent là, dans la rétroaction à des élèves. Donc, vous pouvez les ajouter ici, là, créer votre boîte d'archives de commentaires qui peut faciliter votre travail et éviter d'avoir à écrire toujours, là, vous êtes sûrement conscient dans chacune de vos disciplines quels commentaires reviennent souvent sur le travail d'un élève. Donc, faites-vous une belle banque de commentaires. C'est un investissement maintenant, mais vous allez pouvoir gagner du temps par la suite. Alors, donc ça, c'était pour les commentaires écrits. Je vous ai mis quelques recommandations également. Donc, ça, c'était pour travailler dans un document collaboratif. Et maintenant, si on y va avec la rétroaction à l'audio, donc ça peut être des contextes d'utilisation, évidemment, ça peut être un retour sur la phonétique en francisation, ça peut être une bonification d'une argumentation, vous pouvez en fait relire des démarches d'élèves, des textes d'élèves avec eux, puis apporter votre rétroaction de façon audio et spontanée pour les élèves. Donc, les outils qu'on utilise pour faire ça, je vous en ai présenté deux tout à l'heure. Donc, on a Talk and Comment et Mote qui sont toutes deux des extensions Chrome. Donc, on l'installe puis on peut l'utiliser après ça. Là, vous voyez, Mote se place dans tout. Et on peut l'utiliser là, dans Google Présentation, entre autres. Il s'insère facilement dans Google Présentation. Vous pouvez aussi l'utiliser là, dans plusieurs, donc dans Google Docs également. Donc, il s'intègre facilement, mais avec la version gratuite, là, vous avez évidemment une limitation. Donc, c'est 30 secondes d'enregistrement, mais vous pouvez en faire plusieurs, puis il peut vous être utile aussi. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'insère. Donc, il s'insère, ça ne fait pas juste seulement un lien. Donc, il est quand même intéressant. Puis, quand l'élève le consulte sur un iPad, ça va tout simplement, il va devoir l'ouvrir dans son furteur Chrome là, à partir de l'endroit où vous l'avez mis. Donc, il l'ouvre sur son furteur Chrome, puis il va pouvoir l'écouter par la suite, puis même y répondre avec un commentaire audio également. Et Vocaroo, lui, de son côté, je vous ai placé un petit tutoriel, il est très, très simple d'utilisation. C'est un site web. Donc, c'est évidemment, ça génère un lien. Vous pouvez télécharger l'enregistrement par la suite, ça vous donne un fichier audio. Donc, c'est trois outils que vous pouvez utiliser pour laisser de la rétroaction de façon audio. Donc, ici, là, on dit que l'impact est majeur là, quand on laisse une rétroaction audio. Vous pouvez écrire quelques mots-clés pour introduire l'audio, évidemment, segmenter la rétroaction. Donc, parce que notre capacité d'attention, évidemment, est à 400 mots. Donc, 2 minutes d'enregistrement, c'est 400 mots. Donc, ça fait beaucoup à enregistrer dans notre cerveau, là. Puis, ici, ces caractéristiques, là, vous pourrez prendre le temps de prendre connaissance de ces caractéristiques. Je me rends à l'instant dans mon classroom et je me rends dans mon devoir. Vous avez déjà vu plusieurs façons de le faire, là. Donc, j'ai déjà mis ici de l'audio dans mes consignes. Donc, là, j'essaie de trouver un endroit où j'ai un travail. Donc, ici, j'ai un travail qui a été remis par l'élève, qui est un PDF, mais j'ai quand même la possibilité d'ajouter des commentaires. Donc ici, vous voyez la fonction « Ajouter un commentaire ». Donc, il faut que je sélectionne une zone et je peux venir mettre une bulle. Et la première chose qu'on voit, c'est « Mote ». Donc, je pourrais dire
C'est important de mettre en évidence, confirmer votre compte. Et là, tout simplement, je fais commenter et l'élève pourra voir sa rétroaction sur son texte. Pour les élèves qui ont iPad, je vous suggère de passer par ici pour apporter vos commentaires. C'est certain que vous ne pouvez pas cibler des éléments, mais ici, si on ajoute notre commentaire ici, l'élève va pouvoir y avoir accès plus facilement. Puis, comme je vous disais, il a besoin de le lire là, à partir de Chrome. Donc, ça va l'ouvrir dans Chrome tout simplement. Donc, ça, c'est Emote. Donc, vous voyez, il s'insère, lui, on voit toujours le petit logo là, facilement ici. Donc, après ça, on a Talk and Comment, qui est également une extension. Et lui, il est toujours placé là, dans le coin, pas dans le coin, mais à peu près dans le milieu de votre écran à droite. Et là, j'enregistre mon commentaire. Une fois qu'il est enregistré, j'ai mon lien que je viens copier et que je viens coller, par exemple, dans le, si je sélectionne quelque chose ici. Il faut que j'ai une sélection d'un élément, donc ici, et là je peux venir dans ma boîte de commentaires, placer mon commentaire audio, puis là ça me donne un lien que l'élève va ouvrir par la suite et va pouvoir écouter mon commentaire, voilà. Puis il y a réponse possible à cette note audio-là, donc l'élève pourra toujours faire entendre sa voix à partir de là. Donc, il y a possibilité de le mettre tout simplement dans les boîtes de commentaires ici, dans nos boîtes de texte. Et comme je vous ai montré dans le travail tout à l'heure, quand c'est un Google Docs et que les élèves travaillent en iPad, on peut venir tout simplement cliquer, coller le lien en haut de son texte, là, puis il pourra l'écouter tout en lisant son texte. Donc, ça, c'est facile avec des liens comme ça. Puis, évidemment, une fois qu'il est enregistré, puis si on n'a pas copié le lien, là, il ne se stocke pas quelque part. Donc, c'est important de prendre le lien. Donc, Vocaroo ici, donc c'est le même principe. Vous allez voir. Donc, il y a un bouton sur la page. On fait tout simplement enregistrer notre rétroaction audio. Et là, ensuite, on a enregistré et partagé. Vous avez le lien. Il y a possibilité de l'intégrer sur un site, par exemple. On vous donne un code d'intégration, mais facilitant là, pour dans Classroom, si on parle de Classroom aujourd'hui, là, ce qui est facilitant, c'est de copier le lien ou encore, par exemple, de mettre le code QR dans ses commentaires. Puis à ce moment-là, l'élève pourra scanner ou le mettre dans son texte, ajouter une image dans son texte et on le modifie directement, puis il va pouvoir écouter la rétroaction à partir de ça. Si vous avez des commentaires, encore là, tantôt j'ai parlé de la fonction archive de commentaires, mais dans le cas des commentaires audio, comme on vient de voir, là, pour apporter de la rétroaction audio aux élèves, vous pourriez vous faire un document, un Google document avec un tableau dans lequel vous faites... Si vous l'utilisez et qu'il n'est pas nécessairement personnalisé à l'élève puis qu'on nomme pas l'élève, en fait, vous pourriez vous faire une banque en venant copier vos liens de Talk and Comment, de Mote, etc. Puis là, vous pourriez venir chercher vos liens tout simplement là, puis les coller dans le travail d'élève s'ils ne sont pas personnalisés parce que c'est évidemment, si on parle d'une élève qui s'appelle Karine et que c'est destiné à Corinne, bien, évidemment, ça ne fonctionne pas. Mais si vous avez encore là des commentaires plus généraux, vous pourriez vous faire une banque de cette façon-là. Maintenant, pour la rétroaction vidéo. Donc, dans quel contexte on peut l'utiliser? Ça peut être de la modélisation du savoir-être. Donc, on peut modéliser. Donc, tantôt, je vous parlais que dans des pratiques inclusives, on essaie de donner des modèles, donc de rendre des modèles aux élèves, des modèles de production, des modèles d'action, donc d'une production orale. Donc, on pourrait faire une vidéo de nous en présentant un exemple de ce qu'on s'attend des élèves. Donc, ça peut être dans ce contexte-là qu'on l'utilise. En donnant des explications qui nécessitent un appui visuel, par exemple, si on corrige, on veut faire une rétroaction sur... un élément mathématique, une démarche mathématique, bien, en fait, on veut sûrement pouvoir annoter ou
montrer des éléments directement là, dans la démarche de l'élève. Donc, la rétroaction vidéo peut être très intéressante dans différentes aussi, là, retour sur des stratégies d'organisation, etc. Encore là, il y a deux outils qui sont possibles, là. Il y a Screencastify que j'utilise beaucoup et il y a Loom pour éducation. Donc, Loom pour l'éducation, c'est comme les outils d'audio que je vous ai présentés, là, ça génère des liens. Vous pourriez toujours, dans les deux outils qu'il y a là, télécharger les vidéos puis les mettre après sur YouTube. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que vous enregistrez, copiez le lien directement. Placer le lien dans les commentaires de l'élève, puis il va avoir accès à votre rétroaction. Donc, c'est le lien qui est intéressant ici. Là, il n'y a pas toute la manipulation d'aller le placer sur YouTube, etc. Donc, Screencastify est quand même limité. Les deux versions sont limitées si on n'a pas. Donc, Screencastify est payant et Loom, on peut faire une demande. Moi, j'ai fait la demande qui tarde à être acceptée, mais il y a Loom pour éducation. Je vous placerai le lien. Il y a possibilité de faire une demande, puis on a accès là, gratuitement à plus que 5 minutes. Mais sinon, si on a la version gratuite, là, Screencastify, on a 5 minutes. Mais je pense que c'est très suffisant pour faire de la rétroaction à nos élèves, là. On évite de dépasser, évidemment, 5 minutes. Donc, ces deux outils-là sont parfaits pour ça. Donc, à quoi on réfléchit? Donc, celle-là aussi, elle a un impact majeur, là. Donc, on a la rétroaction audio et vidéo. Elle a un impact majeur sur les apprentissages des élèves. Créer une vidéo très courte et ciblée. Donc, c'est important. Mettre la production de l'élève à l'avant-plan, puis éviter les distractions visuelles. Donc, les caractéristiques, là, vous pourriez en prendre connaissance par la suite. Je vous présente rapidement ce que, là, je vais m'ouvrir un Jamboard pour pouvoir venir faire des annotations. Donc, Jamboard ici, je vais m'en créer un nouveau pour avoir un tableau blanc tout simplement, là, mais vous pourriez utiliser. Ah, ben c'est ce que je. Non, je vais le faire. OK. On pourrait regarder tout simplement le travail d'un élève. Je vais revenir dans mon classroom. Et là, je vais rétroagir à partir d'un travail d'élève. Ici, je vais utiliser le travail qui est là. Et je vais le projeter à l'écran comme ça. Et je pourrais tout simplement juste partir ma vidéo à partir de ce que j'ai ici, là. Mais on pourrait utiliser Jamboard, qui est un tableau blanc, puis on pourrait avoir les outils d'annotation. Mais dans Screencastify, on a déjà aussi les outils d'annotation. Donc, Screencastify, on peut l'utiliser, c'est comme une extension aussi, là, vous le voyez dans ma barre d'outils ici. Et là, je choisis. À partir de quoi je vais enregistrer? Donc, moi, je vais enregistrer là, cet onglet-ci. Je peux activer ma webcam et là, je vais faire enregistrer. Donc, évidemment, quand l'élève nous voit, c'est toujours plus pertinent. Donc, on a l'impression qu'on s'adresse à lui. Donc, vous avez des outils ici d'annotation. Là, vous avez des différents types de souris qui peuvent mettre un focus. Donc, ici, on parle à l'élève de cette phrase-là spécifiquement. Ou de ce paragraphe-là, etc. Donc, on a différents types de souris. On a des outils d'annotation qui ne viennent pas travailler directement dans le texte de l'élève, mais c'est juste en superficie sur l'écran. Mais on peut mettre une emphase sur quelque chose. Donc, je vous disais tout à l'heure d'éviter d'utiliser le rouge, mais il y a plusieurs palettes de couleurs. Puis, donc, on peut cibler des éléments. Donc, vous voyez, je peux tout effacer, mes éléments. Je peux placer des bonhommes sourires. Ici, pour spécifier que c'est très intéressant ce qu'il a fait. Et une fois que j'ai terminé, stop. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en un clic, copie le lien. Et après ça, ce que je peux faire, je vais fermer l'onglet. Ce que je fais, c'est que dans mon classroom, je viens voir le travail de l'élève. Là, ça s'en vient surcharger mon affaire, mais. Là, je suis en mode. Voilà, en mode édition. Donc, pour les élèves qui ont des iPads, comme je précise, on ne vient pas le placer dans une boîte ici. On peut venir le placer directement. On peut venir le placer directement là, dans le texte de l'élève en haut. Puis l'élève, quand il va cliquer dessus, il va pouvoir écouter notre vidéo.
aussi facilement que ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un impact majeur sur l'apprentissage de l'élève. Pour les élèves qui travaillent avec un ordinateur, on pourrait placer en commentaire notre lien. Là, je vais effacer certaines affaires. Je me place un commentaire et je fais tout simplement coller mon lien. Donc, c'est facile, c'est simple. L'élève clique sur le lien, il a accès à notre vidéo. Il n'y a pas de téléchargement sur YouTube, donc c'est simple et rapide. On a parti l'enregistrement, vous voyez, ça a pris 2 secondes, puis l'élève a accès déjà à sa rétroaction. On pourrait venir placer cette rétroaction-là dans la boîte de commentaires en bas, ici, faire publier. Et là, il a accès à ça ici. On peut aussi venir le placer, là, genre, on l'a mis dans les commentaires là. Bref, il y a vraiment plusieurs façons, là. La boîte de commentaires ici, comme je vous disais, les élèves qui ont un iPad, c'est une solution à privilégier parce qu'il a accès à cette boîte de commentaires-là qui s'affiche en dessous de son travail. Puis directement dans le texte aussi, il a accès à partir d'un iPad. Donc, c'est important de savoir ces nuances-là là, pour les élèves qui ont des iPads. Mais sinon, dans la barre à droite, pour les élèves qui ont des Chromebooks, ça fonctionne. Donc, on va se rendre maintenant à la rétroaction à partir d'une photo ou d'un PDF. Donc, ici, l'outil. Oh, je me suis trompée de. Je me suis trompée de diapositive, mais les outils qu'on utilise là, dans l'outil, en fait, qui peut nous servir, c'est Camy, qui est une extension également sur Chrome, très intéressante, qui nous permet de venir annoter un fichier PDF. Je vais vous en faire la démonstration. Là, je vais refaire les liens qui sont là, mais donc, lui nous permet de venir annoter le PDF si on est sur un ordinateur, mais ce qui est un gros avantage là, si on est sur un iPad, qu'on fait notre correction à partir du iPad, c'est qu'on peut prendre notre stylet et directement, là, quand on ouvre le travail d'élève, on a nos petits outils d'annotation. Donc aujourd'hui, je ne vous le présenterai pas, mais ça se situe en haut à droite, là. Donc vous cliquez dessus, puis vous avez accès là, à plein de. Vous pouvez mettre des boîtes de texte, vous avez des surligneurs, des crayons. Donc si vous voulez faire votre correction, des fois corriger un texte, là, c'est plus facile à partir d'un iPad, puis de pouvoir écrire de façon manuscrite. Donc c'est une option. Je vais vous présenter aujourd'hui celle avec Camille. Donc, on va se rendre dans le devoir annoter un PDF ou une photo. Donc, là, ici, ce n'est pas obligé d'être un élève qui a fait un travail, qui l'a exporté en format PDF. Là, ça peut être un élève qui a numérisé tout simplement à partir de Microsoft Lens ou encore qui a numérisé à partir de. Le nom m'échappe malheureusement, mais l'outil Google. Bref, il peut avoir numérisé un travail qu'il a fait papier-crayon, puis ensuite, là, c'est facilitant pour l'enseignant de venir corriger en version numérique là, après. Je vais vous le redire tout à l'heure, je vais l'écrire dans les commentaires quel est cet outil. L'outil m'échappe. Donc, on peut numériser là, à partir de cet outil Google-là, puis ça va faire un format PDF. Là, donc, c'est quand même c'est facilitant. Donc, ici, je me rends dans le devoir. L'élève m'a remis, justement, là, c'est comme un fichier PDF qu'il y avait ici. Et en tant qu'enseignante, donc, on peut avoir, même sur un fichier PDF, là, vous pouvez venir placer de l'audio, là. On l'a fait tout à l'heure, donc vous voyez un commentaire audio avec Maude, vous voyez un commentaire audio avec Talk and Comment. Vous pouvez avoir une grille d'évaluation, donc tout ça, là, peut s'interrelier. Ici, on a Grade with Camille. Donc, celui-ci, je vais le faire avec Camille. Donc, là, vous voyez automatiquement, parce que je l'ai installé, là, donc c'est important que vous l'ayez installé. Je peux venir, et les élèves aussi, là, s'ils ont un Chromebook, sinon les élèves vont voir vos annotations quand même, mais ne verront pas nécessairement vos commentaires qui sont ici, là. Donc, si les élèves qui ont un Chromebook ont Camille d'installer, ils pourront avoir accès à vos commentaires qui sont là. Mais sinon, vous pouvez mettre vos commentaires dans la boîte générale ici, sous le travail aussi. Donc, ici, là, ça vous donne accès à tous les outils d'annotation, des surligneurs, des notes. On peut changer les couleurs. Donc, vous voyez là ce que j'ai fait. On la note. Donc,
Ici, on peut annoter. Puis comme je vous disais, ça, c'est intégré déjà quand on fait la correction sur un iPad. On n'a pas besoin d'avoir Camille. Et ce qui est intéressant, c'est que si je l'ai ouvert sur mon iPad puis j'ai fait une correction, il crée plusieurs versions là, du texte. Donc là, je vais revenir ici. Donc là, je vais... Donc voilà, là, j'ai arrêté le... Puis ici, là, vous voyez, ça, c'est ce que j'ai fait à partir d'un iPad. Puis, je peux, à partir de mes fonctionnalités, là, mettre des commentaires aussi, là, comme on a fait. Là, vous avez la petite boîte de dialogue qui est là avec un plus qui nous permet, il faut aller sélectionner, nous permet d'apporter un commentaire sur une zone en particulier. Ça, c'est possible. Puis ça aussi, ça a été modifié à partir d'un iPad. Donc là, vous voyez, j'ai écrit, j'étais pas avec mon stylet, j'étais avec mes doigts, là. Évidemment, si j'avais été avec mon stylet, ça aurait été beaucoup mieux écrit. Donc, ça, c'est les possibilités là, de venir annoter un fichier PDF, donc un travail qui a été fait de façon papier-crayon, mais que l'élève a rendu dans Classroom. Puisque le bienfait de ça, évidemment, là, quand on pense pourquoi, là, quand un travail papier-crayon est fait, puis qu'on le met dans l'environnement numérique d'apprentissage, en fait, c'est que ça centralise toutes vos preuves d'apprentissage au même endroit. Donc, ça évite d'avoir mille et une piles de correction que vous apportez à la maison, mais vous avez votre outil numérique et tout est concentré dedans. Donc, c'est le gros avantage de travailler comme ça. Il me reste une façon à vous présenter d'apporter de la rétroaction. Puis il s'agit, donc vous avez là ici des recommandations, puis les caractéristiques là, justement de la rétroaction sur un PDF ou une photo. Donc ici, fournir une rétroaction automatisée ou manuelle avec Google Form. Donc ça peut être des activités de révision puis de consolidation. Donc vous connaissez Google Form. Des suggestions de ressources en fonction de la réponse donnée. Donc, ça peut être une façon de réviser, puis que les élèves qui n'ont pas besoin de réviser telle partie n'ont pas à l'avoir. Puis, c'est une rétroaction vraiment personnalisée, puis automatisée aux élèves en fonction de où ils sont rendus par rapport à la cible. Donc, comment on fait ça? Donc, ici, là, ce que je retiens, là, c'est que la rétroaction immédiate est vraiment plus significative. Donc, une fois qu'il a rempli, il n'y a pas le délai d'attente de l'enseignant qui corrige les versions. Donc, l'élève a automatiquement sa rétroaction. Donc, là, je parle ici d'un questionnaire avec Google Form et non juste d'un Google Form ordinaire. C'est important de venir le convertir ici. Puis, évidemment, essayez d'éviter de venir noter. En pourcentage, là, tu sais, voir la note, si l'élève a 90%, il ne s'attardera pas à la rétroaction que vous avez apportée, à la vidéo que vous lui avez recommandée, par exemple, pour la question qu'il ne maîtrisait pas, par exemple. Donc, puis évitez les formules simples aussi dans les formules, dans les commentaires de rétroaction comme bravo ou ah, dommage avec un bonhomme sourire. Pas un bonhomme sourire pour le dommage, évidemment, là, mais. Donc, ça, c'est des recommandations pour le questionnaire. Maintenant, comment on fait? Je vais fermer certains. Donc, là, je me rends dans mon classroom. J'ai un devoir qui s'appelait questionnaire. Donc, ce que j'ai fait, ça, c'est moi, j'ai déjà répondu. Ce que j'ai fait, là, je vais recommencer de zéro, là, c'est que je vais modifier. Et j'ai créé tout simplement à partir d'ici un Google formulaire. On va le faire une deuxième fois. Et là, il m'ouvre le formulaire. Ce qui est important, première manipulation, c'est de le convertir en questionnaire. Donc, est-ce que, ben là, les notes, mais ce n'est pas les notes, mais c'est plus la rétroaction, là, comme je vous disais, si on n'attribue pas de pourcentage à nos réponses de points, ben, est-ce qu'on veut que l'élève reçoive immédiatement la rétroaction? Donc, évidemment, oui, parce que l'élève va le recevoir là, dès qu'il a fini de remplir le formulaire, il va savoir qu'est-ce qui a manqué comme réponse, puis à partir de ce que vous avez donné, il va pouvoir là, faire un retour sur ses apprentissages. Donc, ici, c'est important de le mettre en questionnaire, puis si vous avez la fonction mode verrouillé,
pour les Chromebooks. Donc, les élèves, à ce moment-là, ne peuvent pas naviguer, ouvrir d'autres onglets pendant qu'ils répondent au questionnaire. Puis, ici, là, c'est toutes les choses que vous pouvez venir personnaliser là, par rapport à votre questionnaire. Je ferai seulement une question, là. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Et là, je vais inscrire lundi, mardi, vendredi. Et ce qui est intéressant, là, ici, c'est sûr que ma question n'est pas pertinente. On vient de l'activer. Vous pourriez mettre, là, vous voyez le petit mot que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous pouvez vous en servir pour mettre une explication audio. Intéressant. Donc, vous voyez, le fichier se place en dessous. Et le corriger ici. Quelle est la bonne réponse? Et après ça, vous pouvez ajouter un commentaire pour chacune des questions. Donc, pour la bonne réponse, quand l'élève choisit la bonne réponse, ben, on peut lui dire un message d'encouragement, comme une rétroaction. On évite le simple bravo, mais on peut venir placer une rétroaction. On peut mettre un lien, une vidéo pour la bonne réponse, mais ici, là, c'est là qu'on peut venir placer un commentaire. Vous voyez, Maud s'intègre partout. Donc, évidemment, tu as répondu à la mauvaise, tu as eu la mauvaise réponse. Donc, il faudra que tu visionnes la vidéo de Allo Prof que j'ai placée en pièce jointe. Donc là, ma consigne audio se place là et je vais aller chercher là, la vidéo de Allo Prof que je vais placer. Donc, on va aller dans la section vidéo. Je vais en prendre une au hasard. Celle-ci. Je vais tout simplement copier mon lien et je vais le placer. Où j'étais où? Je vais le placer ici. Hop. Voilà. Et là, mon vidéo va se placer là, ainsi que mon commentaire audio. Donc, ce qui arrive, donc vous voyez là, la vidéo est directement là. Terminé. Donc, là, si je visualise là, ce formulaire-là et j'ai ma consigne audio que j'ai placée. Ensuite, je vais répondre mardi. Donc, évidemment, j'ai la mauvaise réponse. Je fais envoyer en tant qu'apprenant. Là, vous voyez, je n'ai pas mis de note, moi. Fait que là, en tant qu'apprenant, je fais afficher la note et là, je vois, oh, je n'avais pas la bonne réponse. Qu'est-ce que mon enseignant a à dire si je n'ai pas la bonne réponse? Donc, je peux écouter sa consigne. Là, j'ai pas, l'audio ne fonctionne pas dans cet onglet-là. Vous voyez, le son est fermé. Je vais l'activer, mais bon, vous comprenez que. Puis, on a également la vidéo là, pour essayer d'atteindre la cible là, par rapport à cette question-là. Là, je n'ai pas mis de point, fait que l'élève va prendre le temps. Il n'a pas 90%, donc il va prendre le temps de passer à travers chacune des questions pour obtenir la rétroaction. Donc, c'est vraiment immédiat. J'ai rempli et j'ai pouf, tous les outils en main pour pouvoir essayer de répondre aux attentes par la suite. Donc, ici, là, par la suite, vous voyez, là, il va s'afficher dans votre devoir. Vous pouvez importer les notes par la suite. Je vais réactiver, là. On va retourner ici. Modifier le devoir. Et là, il ne s'est pas enregistré parce que je n'avais pas enregistré. Mais après ça, là, il y a pas de notes là, parce que je ne les ai pas activées. Mais si vous aviez un résultat qui était associé à votre questionnaire, là, vous pourriez directement importer les notes. Là, donc, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher la note de l'élève. Ça va s'importer directement dans le devoir que vous avez créé. Donc, c'est assez facilitant de cette façon-là. Donc, on a passé à travers chacune des façons d'apporter de la rétroaction pour avoir un impact majeur sur l'apprentissage de nos élèves et tout ça à partir de l'environnement numérique d'apprentissage Google Classroom. Donc, pour ceux qui ont écouté ça, qui travaillent avec Teams, je n'ai pas fait le webinaire sur le sujet, mais je vous invite à consulter l'outil développé par mes collègues que je vous parlais tout à l'heure de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Donc, vous l'avez en anglais et en français. Je l'ai placé dans les ressources sur le site Web.
C'est un Géniali. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez choisir votre environnement numérique d'apprentissage, donc Google Classroom, Teams ou Moodle. Et si vous cliquez sur Classroom, vous avez accès. Donc, si on clique par exemple sur Rétroaction audio, vous avez accès à un tutoriel qui se concentre spécifiquement sur la rétroaction audio. Donc ici, qui est fait par un collègue, vous revenez en arrière et vous avez ici un autre tutoriel qui est fait spécifiquement sur les grilles et commentaires. Donc, vous avez tout ici à partir de ce webinaire-ci et cet outil-là, je crois que vous êtes équipé pour pouvoir apporter une meilleure rétroaction, bien pas une meilleure rétroaction, mais vous lancer dans apporter de la rétroaction à vos élèves avec l'environnement numérique d'apprentissage. Donc, je termine en vous disant que les prochains webinaires seront sur, le prochain sera sur Flipgrid, donc pour garder justement des traces d'apprentissage de vos élèves. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça communique aussi directement avec votre Google Classroom. Et on a aussi le 28 avril un webinaire sur la création de vidéos avec un iPad et un Chromebook. Donc, on va vous donner différents outils. Je l'animerai celui-là avec mon collègue Daniel. Donc, on vous présentera différents outils là, pour faire de la création vidéo sur les iPads et les Chromebooks. Donc, je vous rappelle que vous pouvez obtenir vos badges de formation, donc découverte pour l'écoute de ce webinaire-ci. Donc, il reconnaît 30 minutes, évidemment, de développement professionnel. Et vous avez, pour aller un petit peu plus loin, donc tester, évidemment, là, pour tester ce qu'on a présenté aujourd'hui, vous pourrez par la suite obtenir votre badge appropriation. Donc, ça veut dire que vous avez un peu les mains sur les touches. Et si vous ne savez pas là, comment faire pour obtenir votre badge, j'ai la marche à suivre ici, tout simplement. Sinon, vous numérisez le code QR puis vous, ou que vous cliquez sur le code QR qui mène vers l'endroit pour obtenir le badge. Et par la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez communiquer avec moi de différentes façons. Donc, mes coordonnées sont là. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Au revoir!